Bonjour, nous allons parler de la toxicité de votre serviette hygiénique et de votre tampon. Il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes qui touchent les serviettes hygiéniques et les tampons jetables. Notamment, ce qu'on va évoquer, c'est la santé des travailleurs sanitaires, l'environnement et la pauvreté périodique. Tout d'abord, il faut savoir que ces tampons sont chargés de produits chimiques qui peuvent causer le cancer. Ils provoquent des irritations, des éruptions, des allergies pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a le problème de l'élimination, où les jeter et comment l'éliminer en toute sécurité. De plus, ils sont non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne se dégradent pas. Puis il y a aussi la question de la pauvreté périodique. Ceux qui ne peuvent même pas s'offrir un repas décent, comment vont-ils se permettre ces soi-disant serviettes hygiéniques? Donc, il faut aussi savoir que les entreprises ne sont pas tenues de divulguer les ingrédients, car les coussinets ou les tampons sont considérés comme des dispositifs médicaux. Par conséquent, aucune des entreprises ne divulgue les ingrédients. Donc, nous ne savons pas quels produits chimiques se trouvent dans ces serviettes. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans ces serviettes. Il y a tellement de produits chimiques toxiques interdits, comme la dioxine, le furan, le styrène, la pyridine, les phtalates et bien d'autres encore. Et vous savez quoi? La dioxine, qui est la plus importante, est connue pour être cancérigène. Et on dit que c'est la pire de toutes et qu'elle peut causer beaucoup de problèmes de développement. Des problèmes avec le système immunitaire. Il interfère avec nos hormones et peut causer le cancer. Nous sommes exposés à ces toxines pendant de nombreuses années. Les couches jetables à base de plastique et les serviettes menstruelles exposent les bébés et les femmes à des produits chimiques toxiques perturbant les hormones. Il y a beaucoup d'informations là-dessus que vous pouvez trouver facilement. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie reproductive dure environ 35 à 40 ans pour une femme. Et si vous voyez que 5 jours sur chaque mois, donc 5 jours sur 30, vont être exposés à ces toxines, donc au final, ça revient environ à 7 à 10 ans dans une vie d'exposition continue. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Nous sommes exposés à ces agents cancérigènes pendant des années. Alors, quels sont les cancers qui peuvent causer le cancer du sein, le cancer des ovaires, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer de l'utérus, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il y a 2,3 millions de cas en 2020 et 685 000 décès dans le monde. 1 million de cas de cancer du col de l'utérus chaque année et 311 000 morts de la maladie en 2018. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus courants. Il y a aussi quelque chose connu sous le nom d'endométriose. Dans l'endométriose, on voit ce genre de cellules qui sont un peu marrons, comme vous pouvez le voir ici. Ces cellules sont censées se trouver à l'intérieur de l'utérus, mais dans ce cas, elles s'accumulent à l'extérieur, peut-être près de l'ovaire ou à l'extérieur de la paroi utérine. Et ce qu'elles provoquent, c'est des règles douloureuses, des rapports sexuels douloureux, des saignements irréguliers, et elles peuvent même causer l'infertilité. Il faut savoir qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose, qui est peu connue. Puis il y a aussi ces éruptions cutanées, à cause de ces réactions allergiques aux serviettes hygiéniques. Comme vous pouvez le voir, il y a deux types. Et parce elles utilisent tellement de parfums, de colorants et de produits chimiques qui ne sont pas du tout d'ailleurs nécessaires à notre peau, mais elles sont près du vagin qui est si absorbant. C'est comme une muqueuse qui absorbe tout ce que vous lui donnez. Notre peau est aussi très sensible dans la zone des parties intimes. Voilà, donc comme je viens de dire, la zone de la peau vaginale elle est très fine et donc très sensible. Donc tout ce qui peut être extrait d'une serviette hygiénique ou d'un tampon se retrouve directement dans le sens, qui est très problématique. Elle est exposée à toutes ces choses et elle réagit. On peut avoir donc une allergie, on peut avoir une infection pelvienne, une infection fongique. Pourquoi une infection fongique? Parce que le plastique de la serviette ne laisse pas la sueur s'évaporer. La peau ne peut pas respirer lorsque vous avez une serviette en dessous. Vous pouvez donc avoir des infections fongiques. Ok, voyons maintenant ce qu'il en est de la pauvreté liée aux règles. Donc, qu'en est-il des travailleurs sanitaires qui s'occupent de ces déchets? Eh bien, ils peuvent contracter de dangereuses infections comme le VIH ou l'hépatite à partir du sang des femmes qui ont ces infections. Dans les pays surtout sous-développés, les déchets de serviettes sont problématiques et dangereux pour les animaux errants, puisqu'elles ont du sang et elles sont sales. Pour en revenir à l'élimination de la serviette, c'est une toute autre dimension de problème. Fini.
fait lorsque vous jetez ces protections après usage, vous ne savez pas ce qu'il advient d'elles par la suite. Donc voici ici les impacts environnementaux dans le monde. On sait qu'une personne qui a ses règles ou menstruatrice utilise environ 100 serviettes ou tampons par an. Cela signifie, ça se traduit par des déchets plastiques biotoxiques qui sont produits annuellement dans le monde, c'est-à-dire 100 milliards de serviettes ou de tampons. Et ces serviettes ne sont pas biodégradables. Donc elles ne vont pas se dégrader, elles ne vont pas se décomposer totalement. Ils vont juste se briser en millions de petits morceaux de plastique minuscules. Ils vont dans notre eau, notre sol, et ils vont encore à l'intérieur de notre corps, à travers nos cultures, à travers notre nourriture, etc. Nous mangeons tous ces plastiques encore et encore. Vous voyez, tous ces déchets ne sont pas une nécessité. Il faudra au moins 500 à 800 ans pour que chaque serviette ou chaque tampon se décompose, se transforme en minuscules particules de plastique et entre dans la chaîne alimentaire, ils entrent dans notre corps. Et lorsqu'ils sont incinérés, ces produits dégagent des fumées toxiques. Dans certains pays, les eaux sont également polluées par les déchets menstruels. Voyons maintenant le prix des périodes. Si l'on suppose qu'une serviette coûte 10 centimes et que chaque femme utilise au moins 10 serviettes par période au cours de sa vie, pendant 35 ans où elle a ses périodes, elle va dépenser environ 570 euros uniquement en serviettes hygiéniques. Et si quelqu'un a plus de saignements, cette personne va dépenser plus de 1000 euros. Les gens qui sont pauvres, comment sont-ils supposés s'offrir ces protections? Si une femme indienne n'a que 10 ou 30 roupies par exemple, va-t-elle les dépenser pour acheter des serviettes ou pour acheter des préservatifs? Ou va-t-elle les dépenser dans des protections? Ou va-t-elle s'acheter à manger? Cette pauvreté liée aux périodes doit prendre fin. Les serviettes en plastique ne sont pas la bonne solution. Vous pouvez donc passer à des produits menstruels réutilisables. Qu'est-ce que c'est? Il existe des serviettes hygiéniques réutilisables, c'est-à-dire des serviettes en tissu, comme on peut le voir ici. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même, comme il a été montré dans d'autres vidéos sur la même chaîne YouTube. Vous pouvez réduire vos dépenses. Il n'y aura pas d'irritation ou d'éruption cutanée. Il n'y aura pas de produits chimiques. On utilise juste un tissu en coton. Un tampon va vous durer sans lavage et ces tampons seront écologiques, tout comme nos vêtements en coton. Ils peuvent se biodégrader, ils peuvent se dissoudre dans le sol en quelques mois ou années, comme le font les vêtements. Nous pouvons éviter toute la pauvreté des règles et les serviettes en tissu sont même connues pour diminuer la douleur des règles que nous ressentons selon certaines recherches. Quelque chose d'autre que nous pouvons utiliser est ce qu'on appelle une coupe menstruelle. Elle n'est pas en plastique mais en silicone, ce qui est sans danger pour notre peau et nos muqueuses. Elle est un peu coûteuse, mais si vous en achetez une, elle peut durer environ 10 ans. Cela vous donnera beaucoup plus de liberté. Vous pouvez nager, sauter, danser avec. Vous pouvez tout faire, ce qui est vraiment difficile lorsque vous portez une serviette. Regardez nos autres vidéos pour plus d'informations sur les serviettes hygiéniques et la coupe menstruelle. Rêvons pour des règles heureuses, saines et durables pour tous. Veuillez regarder la chaîne YouTube de Gilles Doc pour les vidéos sur que sont les serviettes en tissu et les coupes menstruelles, fabriquer des tampons à la maison gratuitement, comment utiliser la coupe menstruelle, l'utilisation de la coupe menstruelle chez les adolescentes. Et vous pouvez nous contacter en cas de questions de doute à l'adresse awakenedindian20@gmail.com. Gmail.com. Ici, voici nos sources pour les données utilisées dans cette présentation. Merci à vous.